sur Maété. Alors quand il attaque Maété, la chute est à droite. Donc il n'y a pas de problème, d'accord? Parce qu'on va chuter, on ne va pas contrôler. Donc vas-y, départ. Là. Je décompose. Chute. Bon. Là, je vais contrôler. Kyo. Là, ce que je veux, moi, c'est ça. Là, poussez vers lui. Ici, vous poussez. Vous le laissez partir. D'accord? C'est une attaque du bras gauche en avançant. Le pied est gauche. Donc, le pied est droit avant. Les deux bras même temps. Voilà. Ensuite, on va pousser le bras ici vers lui, vers la tête. Lui, par réflexe, quand vous allez faire ça, si vous rentrez suffisamment fort, il va tourner, il va tourner pour éviter de tomber. D'accord ? Parce qu'il ne peut pas rester comme ça, quoi. Donc il arrive. Voilà. Il faut avancer le pied le plus près du corps. Là, vous êtes ici, donc ici, mais sur ma droite. Donc je vais avancer mon pied droit. Du coup, sur le visage ici. Et là, alors les gars, voilà. Quand on va le jeter, on ne va pas pousser les bras vers là-bas, on va tirer ce bras vers soi ici, tandis que l'autre pousse. Et on jette ici. D'accord ? Un. Voilà, on rentre sur lui. On va le contrôler en même temps. Un. Deux, on rentre. On l'amène ici, là on ne le lâche pas, on l'amène sur le sol, on avance ici, genou droit, pratiquement sous les selles, d'accord, dans cette position. Ce bras là en extension, ici coincé, on pose, voilà, et on vient le maintenir sur Ikkyo comme ça, on lève ici, on écrase, ici avec les tibias, d'accord, on vient. Là. La main à l'avant de la ligne des épaules. Et tout le corps ici, tout le poids du corps sur ce bras. Ici, on maintient, on lève. C'est bon ?